L'un des gros prix de la première journée, la journée d'ouverture des ventes d'octobre, c'était le numéro 128, vendu 150 000 euros par Pascal Deshaies, qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, avec un cheval qui a une histoire toute particulière. Une pouliche, pour être tout à fait précis, de Sioni. Raconte-nous ça. Oui, bah pour commencer, j'ai acheté cette jument aux ventes ici à Deauville, à l'époque 27 000. C'était une jument qui venait de l'élevage Wildenstein, qui était entraînée par Ali Lelouch, et qui faisait le lièvre le matin pour les classiques de l'écurie Wildenstein. Là, on parle de plus d'or, donc la mer. Voilà, la mer. Donc, quand j'avais regardé dans la souche, quand même, il y avait un petit peu d'obstacles. Je me suis dit, bon, pour une jument comme ça, avec la qualité de plaque qu'elle a, on doit pouvoir la faire sauter à Auteuil, quoi. Donc, suite à cet achat, je l'ai envoyé chez Jean de Balanda, qui, gentiment, au mois de février, m'a téléphoné en me disant, bah, écoutez, c'est pas possible de faire sauter cette jument-là, elle est raide comme un piquet, elle a fait trop travailler le matin, je pense, pour traîner tous les classiques. Quoi. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai récupéré la jument. Et puis, en une soirée avec Guy Cherel, bah, je lui ai acheté une Saïd Califé. Après avoir bu trop d'eau, sans doute. Je pense qu'on avait peut-être un peu arrosé la chose. Et voilà, donc après, elle m'a fait un premier produit qui était gagnant à Auteuil. Hindou, il s'appelle, un Galifet. Voilà, ok. Et après ça, comme j'ai dit, bah, je vais quand même un petit peu changer de politique et je vais aller à Sioni. Parce que j'adorais cet étalon avant qu'il ne sorte. Hein, vu le performer que c'était à 2 ans. Sortant de chez Royer Dupré, qui n'est pas un fabricant de 2 ans, j'ai dit ça, c'est un cheval qui va sortir. Donc ça, c'était un pari réussi. Mais la pouliche était présentée par le haras de l'hôtellerie, alors que tu travailles d'habitude avec Pierre Talvar. Alors, va-t-on révéler quelque chose d'extraordinaire ou non, c'est tout bête? Non, c'est tout bête. Il n'y a pas de lézard sous là-dessous. Je suis très ami avec Pierre et puis avec Jean-Pierre Garçon. Sauf que cette pouliche, elle est un petit peu comme toutes les Sioni, un peu l'œil blanc, un peu électrique. Et je pensais qu'il fallait la débourrer plutôt que de la travailler énergiquement. Et Pierre me disait, bah, écoute, moi, je débourre pas les yearlings. Et j'ai demandé à Jean-Pierre Garçon, son fils, Guillaume, m'a fait ça. Quoi. Donc, il l'a mise en manège, le surfait. Et la pouliche, suite à ça, elle était transformée. Quoi. Donc, elle s'est présentée magnifiquement. Voilà. Et donc, elle s'est donc civilisée grâce au fait d'avoir été débourrée. Qui l'a achetée? Quel est son avenir désormais? Alors c'est Gérard Larieux, courtier, qui l'a acheté pour Monsieur Bouchard, un gros propriétaire, qui elle va chez Pascal Barrier à Chantilly. Merci beaucoup Pascal de la Meurthe-et-Moselle, merci pour ces explications. Merci à vous, et puis bon, suite au prochain numéro. Hein. Exactement, on va la suivre dans l'avenir. Merci Pascal.